Qu'est-ce qu'il en est des injures sur les réseaux ? Alors, il y a différentes formes d'injures. Elles sont toutes interdites. C'est puni par la loi. Mais il y a les injures privées, c'est-à-dire par exemple une injure dans une conversation privée sur WhatsApp, sur Snap, sur Instagram, mais dans une conversation privée que seule la victime va voir. Elle est punie d'une amende et elle est moins punie qu'une injure publique qui va pouvoir être vue par tout le monde. Donc une injure publique, ça va être une injure sur une diffusion Snap publique, ça va être une injure sur un mur Instagram que tout le monde peut voir. Et ces injures, elles sont plus punies que les injures privées. Et puis il y a un type particulier d'injures, et on peut parler dans ce cas-là de discours de haine, qui sont les injures en raison de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de la couleur de peau, de la religion, de l'origine ethnique, d'une situation de handicap et en raison du sexe. Et toutes ces injures-là, comme elles s'apparentent à des discours de haine, sexistes, racistes, etc., elles vont être encore plus punies. Et puis, quand il y a plus d'une injure, quand c'est une, deux, trois, quatre, cinq injures qui sont proférées à l'encontre de la même personne, et bien là, on va pouvoir parler de harcèlement, puisque ce sont des injures répétées.